Salut tout le monde, bienvenue dans un autre vlog de Calou. On est dans le vlogmas, fait que je me suis dit qu'on ferait un petit spécial avec Étienne, mon mari. Pour ceux-là qui sont nouveaux sur ma chaîne, mon mari Étienne. Ça fait bientôt 6 ans qu'on est ensemble. Ça fait 4 ans et demi qu'on est mariés. Puis c'est ça, il était de temps en temps dans mes vlogs. Donc aujourd'hui, on va faire un jeu de Would You Rather. Fait que merci d'être là, mon ami. Ça fait plaisir. Donc, on commence. As-tu d'autres choses à rajouter? J'ai rien à rajouter. Bon, parfait. On est cosy, là. On est le soir dans nos petits doudous. Donc, est-ce que, would you rather, je vais pas le dire à chaque fois, là, oublier ton pire souvenir ou te rappeler mieux de ton meilleur souvenir? J'aimerais mieux me rappeler de mon meilleur souvenir parce que mon pire souvenir, je m'en souviens probablement plus, déjà. J'ai pas de mémoire, en fait. Ouais. Fait que j'aimerais mieux genre me rappeler de chaque mini moment de notre mariage que genre. Ouais. Parce que oublier, j'ai pas de misère à oublier. J'oublie tout le temps. Fait que. Ouais. Clairement m'en souvenir. Moi, j'ai quand même une bonne mémoire, mais j'avoue que autant qu'il y a eu des choses négatives qui sont arrivées, je connais pas tant les détails profonds ou ceux-là que je connais me hantent pas à tous les jours. On a peut-être été choyés justement avec nos vies aussi, là, oui. On s'entend, là, mais moi aussi je préférais me rappeler de mon meilleur souvenir avec plus de détails parce que justement, tu sais, comme la naissance de Ruby, notre mariage, tout ça, notre croisière, oui. J'ai des souvenirs, mais il y a des super flous, genre que j'aimerais ça me rappeler plus, vu qu'on pouvait pas être tout le temps présent dans le moment, tu sais. Ah, c'est vrai. Plus de temps ou plus d'argent? Ben, j'aimerais avoir plus de temps. Je trouve qu'on n'a pas assez de temps. Ouais, ben, tu sais, c'est sûr, ça dépend comment tu le regardes. Si tu me dis, genre, plus de temps, mettons, on vit 300 ans, puis on n'a pas d'argent, non, mais plus de temps, comme... Plus de temps dans une journée, mettons. Ouais, moi aussi, parce que j'ai l'impression aussi que, tu sais, comme là, mettons, aussi simple que son médicament, il est dû pour être renouvelé, puis j'ai l'impression que ça fait, genre, vraiment pas longtemps qu'il l'a fait, puis ça me met en face que ça fait comme 30 jours. Ouais. Que c'est passé, tu sais, comme le temps va vite, tu sais, Chelsea est là, Chelsea s'en va, Chelsea revient, comme tu sais, ça va vraiment vite, fait qu'on, c'est pas qu'on saute plein de moments, mais genre ça va juste vite, ouais. C'est comme si il nous manque des moments pour faire certaines choses, puis tu sais, on fait des dates, mais après ça, on revient à la maison, c'est déjà l'heure de coucher, puis genre, ouais. C'est comme il manque de temps dans une journée. Ouais, faut vraiment tout bien faire. On le voit encore aujourd'hui avec juste une heure de moins que le changement d'heure que ça... On est tellement poqué par ça, ça n'a pas d'heure, mais on est magané. Ben demain matin, ça va être rough, là. Puis là, je réveille Chelsea à 5h20 le matin pour elle. C'est 6h20, mais 5h20 mentalement. Ouais. Même pas, puis... après, c'est 4h20. Pas 6h20. Tu l'as avancé? Fait qu'il est 5h20. Si t'es arrivé à 5h20? Non, je l'arrivais à 6h20, la nouvelle heure. Ok, c'est comme si c'était 5h20. Oui, tu sais, comme là, Ruby vient s'endormir à 9h45. Si t'avais dit 5h20. Excuse. Ruby vient s'endormir à 9h45 et 8h45. Ouais, c'est ça. Genre, en tout cas. Préférais-tu avoir une personne qui te... Je réponds en premier, ouais. Juste pour faire de ça. Préférais-tu avoir une personne qui te déteste obsessivement ou une personne qui t'aime, que t'aimes pas, mais qui est obsessivement amoureux de toi? C'est ce que tu comprends? Oui. Fait que dans le fond, quelqu'un qui déteste avec passion puis qui est comme après toi parce qu'il te déteste, ou quelqu'un qui est follement amoureux de toi, mais toi t'es zéro intéressé puis te lâche pas. Je pense que les deux peuvent être dangereux, mais si la personne qui est amoureuse de moi, ça devient pas comme tu sais, comme dangereux pour ma sécurité puis qui veut pas me kidnapper puis m'attacher à son sous-sol, je pense que je préférais celle-là, parce qu'avoir quelqu'un qui te déteste obsessivement, ça peut vraiment ruiner ta vie. Ouais, ça, faut-tu mettre un barème d'une limite qui part dans les deux, parce que là, les deux sont pas bons. Genre, les deux peuvent te faire mourir, et c'est pas ça le but. Tu veux pas dire, ah ben, je veux pas mourir, tu sais. Ouais. Faudrait que les deux se retiennent de genre, de te tuer, genre. Oui, mais même la personne qui déteste obsessivement, genre, je parle pas de meurtre, mais genre, toujours te faire comme, t'es une conne, t'es tout le temps, c'est gossant, c'est genre, grugeant, tu sais, aussi. Oui, mais c'est juste une personne. Ouais, mais en tout cas, je pense que j'aimerais quand même mieux quelqu'un qui m'aime obsessivement. Je sais pas, ça me dérangerait pas que quelqu'un m'aise, parce que je me fous pas de ce que le monde pense de toute façon, fait que c'est pas...
La personne pourrait m'haïr dans mon dos, dans ma face, puis dire du genre tout dans les petits snarky remarks, puis c'est comme. Ouais, moi j'aime penser, tu sais, je suis vraiment confiante en moi-même, mais comme j'ai quand même un côté comme les choses m'affectent plus que toi, mettons, là. Fait que j'aurais plus de la misère avec ça. Ouais. Excusez-moi, la seule chose, vous avez un haut debout. J'étais l'eau en bas. Ok, c'était l'eau qui flochait, qu'est-ce que c'est pour ça? Ensemble, c'est bizarre. Préférais-tu pouvoir manger ce que tu veux et que côté nutrition, ça soit parfait? Ou dormir une heure par jour et te sentir complètement en forme. Moi, j'aime vraiment dormir. Fait que j'aimerais pas ça comme je dors juste une heure. Tu sais, comme j'aime être dans le lit, j'aime dormir, j'aime profiter de dormir. Fait que moi, je préférais manger ce que je veux puis comme une nutrition soit parfaite parce que j'aime vraiment manger. J'aime pas tout le temps manger les bonnes choses pour moi puis je veux être plus en forme. Puis je veux quand même être dans le lit puis dormir plus. Fait que je pense que je choisirais la bouffe. Moi aussi la bouffe, j'adore manger. Ouais. J'aime ça manger genre. Toujours fatigué. Oui, non, puis ça vient d'un gars qui est vraiment fatigué tout le temps. Là. Mais j'aimerais mieux genre dormir plus longtemps pour vrai, puis manger ce que je veux genre, pour vrai, ça serait magique. Hein. Ouais. Préférais-tu parler toutes les langues humaines ou être capable de parler aux animaux? Moi, je pense que si, mettons, je suis capable de faire un off quand ça me tente pas, je préférerais parler aux animaux. Non, mais les animaux, parce que c'est comme un humain. Si tu parles comme eux, ils parlent, c'est ouais. Comme si t'es dans leur tête. Là, genre, oui, ils c'est parlent, ça. C'est t'sais. Pas comme j'entends leur cerveau, c'est comme ils veulent me parler. Ouais. Quand mon chien me chante après, je suis capable de comprendre ce qu'elle veut. Je pense que j'aimerais plus ça. Parce que parler toutes les langues, oui, c'est cool, genre si tu voyages pis tout, mais genre, tu sais, à part aller avec des petites vacances, on n'est pas tant worldly. Fait que je trouve que la partie, genre, animaux que j'adore, ça serait plus intéressant pour moi. Mais je sais pas, toi. Ouais, même chose pour moi. J'aime bien parler aux animaux. Il y a déjà du monde en français par anglais qui me t'impressionne. Imagine si il faut que je parle toutes les langues avec quelqu'un qui a du monde sur la terre qui me t'impressionne. Ouais, puis fou, aussi, toi qui es comme zéro social, mettons. Ouais. Ça ferait que comme, hey, lui, il parle cette langue-là, tu peux nous aider? Tout le monde te demanderait tout le temps de parler à tout le monde, tout le monde te demanderait de l'aide. Mais si tu parles aux animaux, le monde te gosserait aussi, mais tu peux le dire à personne. Tu dis personne. Mais je veux dire, ça veut pas dire que j'aimerais, tu sais, comme j'aimerais parler le japonais, il y a certaines langues que j'aimerais apprendre parce que c'est un hobby, tu sais, parce que c'est des cultures qui m'intéressent. Mais toutes les langues, il y a certaines cultures qui m'intéressent pas du tout, puis comme. Ouais, de comprendre toutes. Oh boy. Ok. Préférais-tu être enfermé pendant une heure dans une pièce avec 100 tarentules. Non, quand tu es enfermé dans une pièce avec 100 tarentules, OK? Pendant ben une non, heure. Ben je vais... C'est ça, OK. Préfères-tu que les lumières soient allumées ou fermées? Ben, B, genre... C'est... Moi, je préfère que les lumières soient allumées pour que je puisse les taper. Puis savoir d'où ils viennent. Ben, 100 tarentules, là. Genre... Tu préfères être dans le noir pis qu'il grimpe dessus? Non, juste te dire que genre... Mais il faut que tu répondes. Mais c'est stupide, ça... Man! Je vais dire allumer parce que dans la seconde où je les verrai, je vais m'évanouir. Genre... Sans non, de quoi qu'il grimpe dessus, tu sais c'est quoi pis ça vient d'où? J'en vois une, je vais genre mettre la maison en feu. Fait qu'imagine, 100. Makes no... Genre, man! On déménage pas en Australie, moi, puis lui, mettons. Jamais! Ouais. Jamais! Genre, arc, c'est quoi cette question-là? J'ai des frissons partout. Fait qu'il va y arriver. Ben oui, mais je vais mourir. Je veux juste mourir à ce moment-là. À part si il faut que tu me sauves. Ça, c'est vrai. Je sais pas. S'il faut. Oh, babe! Ça, t'as rendu? Si! C'est grave dans du récit. Non, mais il empoisonne pas pour mourir. Là. C'est dégueulasse. Oui, mais si. C'est poilu, c'est gros. Ok, mais si c'est pour sauver moi, puis Ruby, puis Chelsea. Faut que tu restes dans. Tu sais, c'est genre les films de je sais pas ça, c'est quoi le film là, ça ou genre... Ça. Puis là, c'est comme, si tu veux, si tu veux vraiment pour ta famille, tu restes une heure dans une salle avec les tarentules, sinon, on te tue. Bien, ça vient. Bien, tu dis que t'es monstre à moi. Fait grandir. Ben, je vais être mort aussi. Ah, mais je peux pas fathom, genre, d'être dans une pièce avec autant d'araignées que ça, genre... Il me laisserait mourir avec mes enfants. Je vais mourir moi aussi. Je vais partir avec vous autres, je m'en sac. Mais je peux pas vivre. Je pense pas que tu comprends. Je pense pas que tu comprends le niveau de peur que ça me procurerait. Genre, probablement une crise cardiaque de toute façon.
Genre. Oui, mais tu prends une chance. Oui, mais même si je dis oui, je t'offrirai pas l'heure, vous allez mourir pareil. C'est non, mais si c'est garanti que tu t'offres l'heure. Je vais fermer une lumière, je vais mettre un petit boule, puis je vais fermer les yeux, puis mes oreilles, puis genre, blablabla. Puis genre, je vais espérer mourir. Okay. Genre, fait que je suis rassurée un peu. Si t'es garanti de survivre aux tarantules une heure, tu ne laisserais pas toutes mourir. Ben non, mais man, fucking Christ. Il n'y a pas un jour de ta vie que je ne t'en parlerai pas. Là. Genre, tu me devrais genre, un déjeuner à tous les matins, puis genre. Le café bien servi, hey, puis tout. C'est toi qui dis que t'es pas capable de vivre sans moi, puis là tu genre. Ben oui, ben demande-moi de te chercher dans un feu, la maison en feu, m'a le faire, ou genre. Man, si tu tombes dans un bateau, je vais sauter en bas du bateau pour aller chercher, mais des tarantules, je peux pas. Je peux pas des tarantules. C'est des tarantules, je vais mettre en petite boule, puis. So die away. Tarantules, man, fucking crazy. Oh my god, ok, on voit la limite de son amour. Toi, tu regardes. Je le ferais, quoi, pour toi, puis Ruby. Puis Ruby, je ferais pas pour vous autres. T'es malade mental. B, pour vous autres. Si c'est garanti qu'après ça, on a une belle vie heureuse, puis qu'on vit longtemps, puis que tout le monde va bien. Puis que personne vous fait mal. T'es en train de donner des idées à du monde qui sont paranoïaques, hein, puis qui vont nous kidnapper pour nous enfermer dans des salles avec des amis. B. Non. Ok, on se calme. Préférais-tu reculer dans le temps et pouvoir observer les dinosaures ou aller sur la Lune? Moi, je préférais observer les dinosaures. Pas vivre avec les dinosaures, mais reculer dans le temps, les observer. Pas comme Jurassic Park qui vivent dans notre environnement. Là. Genre, j'y vais, j'observe. C'est comme une petite capsule, tu regardes de genre. Oui, mais comme live, là, genre. Ouais. Tu sais, puis je reviens. Parce que je suis trop pouilleuse pour aller sur la Lune puis aller dans l'espace de toute façon. Puis honnêtement, à part voir les étoiles, l'espace, ça m'intrigue pas tant. Genre, je suis pas quelqu'un qui est comme waouh, genre les planètes, puis genre. Honnêtement, les dinosaures, mon petit cœur d'enfant, il serait plus heureux. Je sais pas, ben la Lune, c'est pas parce qu'il se passe pas grand chose sur la Lune. Mm-hmm. Mais non, aller dans l'espace, c'est près cool. C'est la première fois, je pense qu'on dit pas la même affaire. Ouais. Que ta mère. Oh my god, j'ai quasiment mis deux mois ensemble qu'elle est pas ensemble. Que ta mère te pogne en train de te masturber. Ou pogner ta mère en train de se masturber. J'imagine, moi, je vais mettre mon père, pour que ça soit comme relatable. Ben, les deux, c'est déjà arrivé. Mais pas mon. Quoi? Non, mais pas ma mère qui se masturbe, mais ma mère qui faut. Fait que c'est comme les deux, c'est comme. On dit que masturber, c'est pire. T'as pogné ta mère nue? Semi-nue, genre. Allô? Maman, je sais pas si son nom, pour y aller. Je sais même pas si elle savait que j'étais arrivé. Ah ouais? J'ai monté les marches en haut, puis genre, j'ai vu, parce que la porte était ouverte, puis je fais ok, fuck, je redescends en bas, hein, puis fuck. Oui, mais je parle pas genre ça, je parle genre, tu rentres là, tu. Mais non, mais man, ce que j'ai vu, c'était assez pour les voir, là. Pour les entrer dans la chambre, mais si. Ok. Genre, fuck, c'était fait que tu dingue. Tu préfères quoi? Penses-tu des couvertes, là, genre, pognées. Moi, je préfère. Moi, si c'est mon père, si c'est ma mère qui me pogne. Mais Thomas, c'est pas grave, c'est notre best friend. Mais non, si c'est mon père, je préfère comme. Je préfère le pogner. Je préfère le pogner, moi aussi. Puis comme, après ça, lui va être gêné. C'est ça. Parce que, ça, moi, je vais être gêné, mais il va être plus gêné que moi, puis genre, c'est mieux, je trouve. Genre, moi, j'ai le cas de gérer le fait que, genre, qu'il lui pogne. Ouais, mais lui va être genre plus jeune, même regarder, genre, s'il me pogne, là. Exact. Same. Je suis chiant. Être skinny fit or buff fit? Moi, je veux pas être bof, là. Fait non, mais comment skinny fit? Genre, c'est quoi skinny fit? Ben, t'es mince, en forme. Ben, j'aimerais être mince et en forme, si. Ben, bof, genre musclé, mettons. Ok, mais quand tu peux être fit, skinny, ben, là, t'es pas musclé? Quand t'étais jeune, là, pis t'étais juste comme mince et en forme. Ben, Chris, c'est une belle shape, ça, Chris. Justement, tu préfères être ça ou ben, je préfère bien plus musclé? Ça. Ben, je m'en sers d'être musclé. J'aime bien être slim pis non, mais, fit pis être avec du cardio. T'es pas genre gros fit. T'es genre buff, genre. Ça sert quoi d'avoir des gros bras? J'aime même être mince pis être fit. Qui est bulky. Ok. Mais moi, je le voyais plus, mettons. Comme. Parce que je veux pas dire les noms de mes amis sur. Dis pas le nom de personne, mais moi, j'aime mieux être genre agile pis genre. Ok, ben pour moi, buff, c'était pas genre un Hulk, là, tu sais. Ben non, mais j'aime quand même mieux être mince fit que genre bulky fit. Parfait. C'est comme moi de voir. Diarrhée chronique ou vomi chronique? Ben, j'ai déjà les deux, donc. Tu vomis pas chroniquement.
Diarrhée quand même. Oui, t'as dit j'ai les deux. Non, j'ai dit j'ai déjà un des deux. Ah, ok. Ben, chronique, ouais. Pas trop. Tu serais poussé, tu te chies pas sur la table, là. Non, non, mais non, mais ça veut pas dire que tu te chies dessus. Tu sais, je commence à sort. Ok. Pour personne. C'est pas que les coups de demain matin. Non, pour vrai, n'importe. Mais même si ça serait. Ça m'arriverait pas, j'aimerais quand même mieux faire caca. Ouais. Vomir, ça fait tellement mal. Ah oui, ça fait. Tu serais mince en titi, par exemple. Mais. Mais ça fait vraiment mal, puis le avant de quand tu as de les nausées. Oh my god, c'est pas le fun. Puis moi quand j'ai la gastro, whatever, ça me sort par le nez aussi. Ouais. Ça fait tellement mal, puis après ça, t'as tout qui brûle, puis tu pleures, puis non, non. Ouais, non. Puis là, le dry heave, là. Ouais, non. Non, diarrhée all the way. Ben, pour vrai, pauvre ceux qui nous écoutent. On va mettre ça comme titre de le truc, diarrhée all the way. mais surtout un warning au début pour les gens qui sont en train de manger, genre, s'il vous plaît, mangez pas, fuck. Qu'on va filmer le clip après. Oui, c'est ça. On va leur dire à environ 16 secondes, 15 secondes, skipper 15 ouais. secondes, 15 minutes, skipper jusqu'à 17 secondes. Ouais, ou c'est... juste attendez d'avoir fini de skipper pour nous écouter, mettons. Ouais. Bon, élever 5 enfants en couple ou un enfant seul? Moi, 5 enfants en couple, mais... Ben, moi, si c'est avec toi, oui, 5 enfants aussi, là. Ça va pas rapport. Oui, oui, avec moi. Ben oui, 5, c'est sûr. Non, ça. Mais pas comme... pas comme je te laisse pis t'es seul, genre, mais comme... Avoir 5 enfants, c'est beaucoup. 5 enfants genre... avec quelqu'un en équipe ou être seul puis avoir ton 1 enfant. Oui, mais 5 enfants avec notre salaire maintenant ou mettons qu'on ça, on s'inquiète pas de ça? Ouais, avec notre salaire maintenant. Merde, non. Ça serait rough avec 5 enfants. Dans la... 5 enfants dans notre maison ici. Okay, avec notre salaire? Ok, on va enlever les maisons de l'enfant de bord, là, parce que... Ok, oui, sinon, okay, mais oui, sinon deux, un couple puis 5 enfants. Ouais, ok. Moi aussi. Parce que mon côté rationnel est comme genre, fuck, ça arriverait pas, là, genre, on n'a pas les champs pour, on n'a pas la maison pour, on n'a pas le salaire pour, ouais. Genre, on va être seul à la place, genre. Ok. Tu que l'écris, pas tes surprises? Non, c'est parce que c'est en anglais, fait fou, je le transmets en français. Toi, tu as l'expérience avec un des deux. Est-ce que tu préférais poop un basketball ou pisser une marble? Une bille? Une bille. Toi, t'as des pierres au rein, c'est pour ça que je dis ça. Fait que poop un basketball ou pisser une bille? Mm-hmm. Ben, j'aimerais mieux poop un basketball. C'est gros un basketball, là. Une bille dans l'urette, c'est gros en esti, hein. Pas que tu sais, là, une... Une urette, ça se stretch pas autant qu'un anus. Là. Genre, j'aime bien mieux mélanger l'anus que l'urette. Là. Sorry. Là. On demandera aux femmes qui ont accouché qu'est-ce qu'ils préféraient. Parce que le feeling, apparemment, que ça te fait dans les fesses. Ben, moi, j'ai pas accouché, j'ai eu une césarienne, fait que j'ai aucune idée ça donne quoi comme sensation. Je sais pas si vous autres, bien vrai, faut aussi mal qu'un gars. Ben, l'urette, t'es quand même une urette, là. Oui, mais moi, il y a un chemin avant qu'elle sorte. Il y a un chemin dans moi. Oui, mais t'entends toi, mais le chemin t'entends moi, puis un peu ce qui sort. Il est plus long, mon chemin. Je sais pas. J'ai un ami qui a eu ça récemment, puis il a souffert comme le martyr. Ça fait vraiment mal, là. Ouais. Genre, la nuit, ça stretch, c'est correct. Ouais, elle a eu deux accouchements, là. Fait que... Ouais, n'importe quel basketball pour elle. Bon, ben, moi, honnêtement, je sais pas comment répondre. Pour avoir vécu une pierre au rein, là, genre, ben, plusieurs, en fait, là. Tu peux pas bouger, ça fait juste trop mal. Genre, t'es couché à terre en petite boule, puis genre, tu peux pas déplier les jambes. Ben, excuse-moi, là, mais je suis un basketball, là, tu dois être en petite boule à terre. Non, mais une fois que c'est sorti, c'est que chill. Là. Genre, t'en as une, s'il va revenir normal. Là. Et puis c'est une bille, là. Genre, une bille, esti, là. Genre, man, first, ça sort pas. Faut que tu fasses chirurgie, là. Il y a des pierres au rein qu'il faut que tu te fasses enlever chirurgicalement. Imagine une bille. Mm-hmm. Une bille, ouais. Ok. Quand tu meurs, c'est la dernière. Quand tu meurs ou comment tu meurs? Comment c'est que tu deviens parano? Mm-hmm. Tu sais, genre, tu sais pas c'est quand, mais tu sais comment. Ouais, ça peut être demain, ça peut être. Je trouve que t'arrêtes de vivre anyway, fait que tu profites pas de la vie. J'aimerais savoir quand, puis pouvoir profiter au maximum jusqu'à temps que genre.
tu sais, pour pouvoir faire un vrai adieu normal. Ouais. Puis genre, on prend pris le temps de dire aux gens que je les aime, que je les aime. Donc, pour revenir à ça, j'aime mieux savoir que c'est quand. Moi aussi, au moins, tu vis genre parfaitement genre comme tu veux jusqu'à ce moment-là, puis après ça, tu t'endors, puis... Parce qu'imagine comment? Alors, tu vas mourir dans un feu, ou tu vas mourir dans un accident de char, tu sors jamais en char, non, plus jamais ça. De ta vie. Là. Ouais. T'es stressé tout le temps. Man, je suis déjà anxieux quand tu pars en char. Imagine s'il faut que je chasse que tu vas mourir en char. Ouais. Man, je serais tout le temps avec toi en char. Je serais fuck you, tu sors jamais sans moi. Je vais mourir, si tu meurs, je meurs aussi en char, c'est pas grave. Mm. Genre, fuck. Ouais. Bon. Puis on va essayer de genre racheter une pour essayer de finir légèrement parce que là ça finit lourd en esti. Ferais-tu avoir un nez de Pinocchio ou pas doré? Tu peux pas mettre des cheveux pour te couvrir les oreilles avec ton trou de pas doré. Là. Puis le nez tu tout le temps là? Ouais. Il est long comment, mettons? Mettons, ouais. Mais c'est une. Genre un. Ouais, un nez pointu. Ah, tu pourrais aimer ça. Ah, t'es con! C'est très pratique, là. Mais j'aimerais mieux quand même pas d'oreille parce que. Non, ouais, pour pas faire les deux. Et imagine embrasser quelqu'un avec un rond même, genre. Toc. Genre, c'est comme. C'est fatigant. Je sais même pas comment. Ben, c'est comme. C'est comme ça, là. Fait j'aime mieux pas d'oreille, finalement. Pas d'oreille si je peux entendre, par exemple. Je penserais des trucs. T'as pas le droit. Ben, j'ai pas le droit, je fais quoi l'hiver? Ton nez il se cache pas, fait que t'as tes oreilles non plus. Ben, mais mon nez l'hiver, faut que je le cache, fait que je te ferai un cache-nez. mon nez aurait une sucre, là. Ah ouais. Bon, sur ça, on vous laisse, ça fait 23 minutes qu'on vous parle. Mais. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Likez la vidéo si vous avez aimé. Et on se parle une prochaine fois.